compte, quand on a lancé le coup de pouce vélo, que ça avait eu un succès incroyable. Ces 50 € pour pouvoir réparer son vélo ont attiré énormément de gens qui ont ressorti leur vélo de leur cave ou de leur garage et qui sont allés les faire réparer. On a eu plus de 670 000 personnes qui sont venues faire réparer leur vélo et on pense qu'il faut continuer à accompagner cela. Donc on a rajouté 20 millions d'euros pour prolonger le coup de pouce vélo jusqu'à la fin de l'année et pour arriver à 1 million de vélos réparés. Nous annonçons aujourd'hui que l'État doublera les primes des collectivités territoriales pour 50% des Français, les Français les plus modestes, à hauteur de 200 euros, de manière à accompagner le vélo et notamment l'acquisition de vélos à assistance électrique.